Oh, Shiba. Quoi? Je savais pas. Bonjour tout le monde, bienvenue au Fandaland, je suis Daniel et je m'enfuis. Oh. Tu vas venir, hein? Tu vas venir. Allez. Thank you. Oui. Oh, il est vénère. Au revoir. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé l'épisode. Bon, je voulais savoir comment d'échapper de mes chiens. Hein. Oh, zut. Encore. Oh, bon, bon, bon. Oh, t'es mort. Prends ça. Oh, c'est bien. En fait, j'ai pas joué très long avant de commencer l'épisode. Juste, j'ai vu qu'il a mis ses pattes. Le gamin a mis ses mains contre le. Bah, le truc que je suis monté dessus au bord de l'eau. Et je dis, bah, je peux pousser ça alors? Si. Du coup, c'était le premier essai. Ça que vous avez vu, c'était le premier essai avec la grande découverte. On peut pousser, hein. En gros, c'est du bois. Donc, le fait que tout est en noir, c'est des silhouettes, ou c'est sombre. C'est difficile des fois de distinguer les objets, je vais tomber. Oh non. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, vous avez pas croisé un... Un amagné. Sérieux? Mec, t'as plus de jambes. T'as carrément plus de jambes là. T'es juste une boule avec une seule jambe. Tu viens avec moi? Oh non. Ah. Oh. Est-ce que tu veux aller quelque part? Je peux te ramener quelque part. Ça va être drôle. Hein. Allez. Allez. Oh, t'es pas drôle. T'es pas drôle. Viens ici. Viens avec moi. Viens avec moi. Oh. Oh, ça c'est dégueulasse. Ça c'est absolument dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse ça. Viens avec moi. Viens avec moi. Oh, c'est horrible. Fais attention à sa bouche. Et ne mets pas tes mains dans ses yeux, ça va la faire mal. On va pas la faire mal. Pas tout de suite. Oui. C'est un peu dégueulasse quand même. Je me sens mal, c'est la torture. Je sais que j'ai pas aimé l'araignée, mais je vais pas le torturer. Ah cool, un autre enfant qui a été tué. En fait, les gens qui... fabriquer ce jeu et Inside, ils aiment pas les enfants, j'ai l'impression. Bon. D'accord, on monte. Et on saute. Oh. Et on saute encore. Et on saute dessus. Hop. On y go. Oui. Ça va. Ça, c'est le genre de puzzle que j'aime bien. C'est assez simple. Rien de compliqué. Il n'y a pas d'araignée. On s'amuse bien. On va dans une grotte, là. Super. Les grottes, il n'y a rien effrayant. Et il est débuté là. Donc on va croiser un alcoolique. C'est débuté ou des limaces? Bah moi je vais mourir là si je saute là dedans. Vous êtes quelque chose, non? Non. Mais je veux pas...
C'était quoi ce bruit? Je veux pas juste sauter comme un débile. Bon, on va essayer quelque chose. Est-ce que si je saute dans l'eau, je prends le. Je grimpe à le corps. J'accroche, c'est ça le mot que je veux dire. J'accroche au corps. Ah ouais, je peux flotter. On va essayer. Oh! Les limaces, ils contrôlent leurs esprits. Mais Inside, il avait un truc avec le contrôle de. Le contrôle d'esprit. Tu peux contrôler des autres. Là, c'est des limaces, j'ai l'impression. Mec, sérieux? Ça va tomber sur ma tête, ça. C'est clair. Mais non, je peux jouer ton jeu, c'est débile. Oi. Oi. Bon. Blurf. Je pensais avoir pu sortir plus loin. Ah, bien joué, hein, t'as gagné, hein, t'es très malin. Pfff. Bon. Mais qu'est-ce que... Non, hein? Et il gratte son cul et puis il part. Bon, j'ai fini pour la journée, je rentre chez moi. Et si je me mets au milieu? Parce qu'on a l'impression que c'est solide ce truc là. Mais est-ce que c'est solide? Est-ce qu'il n'y a pas un trou au milieu? Parce qu'on voit le corde en bas. Au milieu de la corde, il est... Bon, c'est pour montrer forcément au milieu de la corde que ça se tient à peine. Mais est-ce que c'est aussi un indice pour là qu'on devrait être? On va le tester. Là. Ah ah. Le théorie n'est pas bon. Oh, je pensais qu'ils voulaient faire un malin encore avec leurs ombres. Et... On n'arrive pas à bien voir les détails et tout, mais... Non, non, non. Carrément, je suis juste mort. Tu veux lancer un caillou? Fais-le! Allez, lance ton caillou là. Vas-y. Lance ton caillou. Comme ça, ça tombe, ça touche la corde et ça fait plof. Non? Tu m'énerves toi. Hein? Y'a rien que je peux ramener avec moi? Comme toi, par hasard. Est-ce que tu veux venir avec moi? Aussi. Je serais ravi de venir avec moi. Désolé pour ton visage, hein. Mais je pense que ça dérange plus trop maintenant. Voilà. Oh là, c'est les limaces. Oh! Oh! Oh, c'est horrible! Il y a une autre avec une limace sur la tête. Non, mais c'est horrible! Ouais. Mais je vais t'écraser. Ok. Ok. Oh.
Ah. Ah, d'accord. Mais est-ce que c'est le même genre de truc? Vas-y. Bah oui. C'est le bouton qui déclenche, bah oui. Très malin. Ya, ya. Bah oui. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Oula. Aïe! Ah! Au! Oh non! D'accord. On est sympa comme enfant. C'est quoi ce monde? Mou! Non! Oh, il y a un qui est mort. Oh! Écrasé. Oh, c'est la fin pour toi. Tu vois, il y a des gagnants dans la vie et les perdants. Apprendre les leçons de vie avec l'impôt. Ne joue pas avec des flèches. Oh. C'est un massacre partout. Est-ce que je fais confiance à l'échelle? Non, fais jamais confiance à l'échelle. Ah, d'accord. Je sais pas quoi ça sert ça, mais... Ah! D'accord. Ah non. Non, tu bouges plus. Tu restes là. En fait, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce côté-là. D'accord. Bon. Oh! D'accord, faut faire cela en premier alors. Ou pas. Non, je change rien. Pas évident. Non, gamin. D'accord, j'ai pas le temps. D'accord, il n'y a rien en bas. Pourquoi je peux pas pousser ça? En fait, ça sert à quoi vraiment?
Tu sors quoi, vraiment? Y a quelque chose par ici? Non? Non. Est-ce que je peux accrocher cette corde? Ah! J'ai une idée. J'ai une idée comment la faire. Si, je peux l'avoir. Ah, bouge. Il faut faire descendre la corde. Ah, le jeu a crashé. Non, il a juste décidé de faire des bêtises. Bon. On fait descendre la corde. Comme ça. On descend plus vite. Saute. Oh. Ah! Mais pourquoi? Oh, il est débile. Mais j'ai apprécié ses compétences au niveau échelle, il grimpe bien. Mais saute! Ah voilà! Voilà, c'est bon, parfait. C'était légèrement compliqué, mais ça va. Oh, c'est quoi ça? Bah, il a disparu. Ça, il y a probablement un piège au milieu. Pourquoi? Il serait mort. Ah non, hein? Non! Ah non! Non! Mauvais sens, débile! Oh! Mauvais sens! Oh, t'es vraiment débile, hein? Bah voilà. Voilà, accroche-toi à ma tête. Pium. Putain, quand il vole. Est-ce que tu peux arrêter ça? Moi, je veux pas aller là-bas. Arrête. Arrête. D'accord. On y go. Non! Mais non! Change? Ah bah zut alors! Oh, qu'est-ce qui est énervant ce gamin! Avec ce truc de débile sur sa tête. Oh. Ils sont chiants ces asticots là. J'ai quoi, j'ai une idée, qu'est-ce qu'on devrait faire? Au lieu de s'accrocher à la boîte, on saute de l'autre côté.
Ah, ça nous bloque ça. Ah non, je suis coincé, carrément coincé comme ça. Ah bon? D'accord. Mange! Merci. D'accord. Bon, ça va. Ça va. Ah. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça fait ça. T'es quoi toi? Tu veux manger des champignons? Tu veux des délicieux champignons? Je peux te donner des délicieux champignons. Voilà le délicieux champignon. Oh, il est mignon. Ham nom nom nom. Forcément, ça sert à quelque chose. Attends. Il y a quoi d'autre par ici? D'accord, c'est important ça. Pour plus que quelque chose sort, d'accord. Mais je ne comprends pas tout à fait. Ah, est-ce que je devrais attraper lui? Ho 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 ho! Viens avec moi! Oh! Ah, c'est fou! C'est bizarre. Donc, ça fait de la flotte. Oui. Oui, voilà. Ah, cool. Non, 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 non! Oh! Ah, je vois. Je vois. Faut le mettre au milieu. Je savais pas, c'était une échelle, ça. Ouais, je devrais arriver. Ouais, c'est environ au milieu. Voilà. Parfait. Oh, oh. Voilà. Parfait, c'est pas difficile du tout. J'ai dit ça, mais je vais tomber sur un pied, un puzzle qui est super simple et je vais faire n'importe quoi avec. Comme ça. Je sais pas qu'est-ce que c'était. C'est des... Oh. Une jambe de quelque chose, hein? Non. Ah, ni un pause. Oh!
Oh, blop. D'accord. C'est faisable. C'est pas compliqué. Je pensais que j'avais besoin de rester appuyé dessus, du coup je le fais quoi. Oh, ça va. Pas trop difficile. Oh non! Ah! C'est un piège! Oh. Ah bah merde! J'avais besoin de rester sur le. Sur la boîte alors. Attends. Pourquoi il te laisse un shell? Si t'as rien à faire en haut. Et je crois pas à cette histoire. Je vais monter le shell, je vais aller regarder juste un petit peu pour voir. Mais pourquoi laisser un shell, Michel? Pourquoi? Pour s'amuser. Ah. D'accord. Donc, logiquement, ça reste. Le niveau, ça reste. Dessus. Non, mais dessus, quoi. Bon. Les pics. Je me noie. Bon, voilà. Vas-y, ramène les pics. Non? Non, non, juste tout simplement écrasé, quoi. D'accord. La boîte. On va laisser la boîte ici plutôt. On va ouvrir ici. Comme ça. Monde. Voilà, parfait. Il y a une échelle en haut. Monte, 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 monte. Cours. Par la meilleure. Il est troué en plus. Non, c'est pas le meilleur. Ah. Cours. Voilà. C'est bon. Ah. D'accord. Oh, j'aurais dû l'attraper plus tôt. Ah, je l'ai pas fait. J'aurais dû. Oh. Bon, on va le faire. Ouais. Whop. Oh non. Bah voilà, mort. Oh, j'ai bien foiré celle-là. Voilà. Plus, un petit peu plus réactif. Ah. Non mais ce côté-là, oh. Yosh.
On y go. D'accord. Je trouve en fait ce jeu, il... c'est pas qu'il est plus difficile que Inside, mais il te laisse moins de chances d'erreur, je trouve. Moins d'opportunités d'erreur. Ah, il est arrivé quand même. Oui. Ah. D'accord. No. Wow. Est-ce que j'en ai fait tout ça à l'inverse? On va voir. D'accord. Ça a rien changé. Ou peut-être ça a tout changé. Ah non, mais carrément. Fallait faire ça. Oh. Oh non, mais. Blablabla. Ouais. Parce que. Quoi donc? Oh, naze. Voilà. J'avais. Je suis accroché à la bord et je l'ai lâché et puis je suis suicidé comme débile. Monte. Voilà. Clurp, clurp. Saleté d'asticot. Oh non! On va garder ça. Cette aventure d'asticot pour le prochain épisode parce que franchement l'épisode il commence à être trop long et puis une partie avec un asticot ça va être une casse-tête et je l'aime pas déjà. J'ai pas encore fait cette partie, je l'aime pas déjà. Donc on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous a plu, j'étais pas trop mauvais. Et franchement, je trouve qu'il est un peu plus difficile qu'à Inside, je crois. Mais dis-moi dans les commentaires si vous avez joué les deux, qu'est-ce que t'en penses les deux, quel t'as préféré, quel que vous avez préféré, vous avez trouvé lequel le plus difficile. L'athlétique, c'est assez proche au niveau petit garçon dans un monde dangereux. Mais j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Mais on va découvrir la suite, les aventures d'Astico prochainement. Merci d'avoir regardé. Bye! Je m'attendais vraiment que tu meurs. Là. Mais non, ça va, je suis pas si mauvaise, j'ai vu quand même. Oh, le rire des méchants que je viens de me taper, mais c'était drôle. Oh non! Ils sont voleux. Ils sont chiants. Voleux. Aide-moi. Il y en a beaucoup qui arrivent. Je suis morte. Wow. Moi aussi.